Oh, j'ai bien pioncé, frère. Oh, j'ai bien pioncé. Attends, je suis où, là? Oh, bah, en fait, tu t'es réveillé, mec. Ça fait longtemps, là, que tu arrêtes de pioncer, frère. T'as le sommeil lourd, il fait que crier le bouffon. Je sais pas, ça bouffon, je suis très intelligent et beau, en plus. Tu es qui pour me parler comme ça, la ferme? Mais mec, sérieux, ma cachette était géniale. Comment ils ont pu me trouver, m'enfermer ici? Ça n'a aucun sens. Mec, ta cachette, elle était vraiment pourrie. Tu parles pas comme ça. Oh mais mec, mais comment je vais faire moi? Mais je dois sortir, on a tous une vie à vivre, non? Bah écoute, c'est toi qui avais trouvé une mère cachée, t'es vraiment débile frère, c'est le pire truc, le pire prêche-cachin que j'ai jamais eu de ma vie. Mais qu'est-ce que t'en sais toi? Tu m'as vu peut-être? Mais oui, tout le monde te voyait à 1000 km à la ronde. Mais la cellule était même pas là la dernière fois. Et bah si, t'étais juste aveugle. Non, je suis sûr que si on regardait la suite vidéo, elle était pas là. Ça pue, tout pue ici. Hey Wal, on doit aller vérifier Figgy, c'est le truc chef là qui nous l'a dit. Ok. Mais quoi, vous me laissez là, vous ne souriez pas? Revenez! Oh frère. Bon bah, du coup, mec, c'est quoi ton petit nom? Moi, je m'appelle Roast Beef. C'est mon nom que mes parents m'ont seulement donné. Et... Hein? T'as entendu ça, frère? Comment ça se fait que la cellule est ouverte? Quoi? Elle a toujours été ouverte comme ça ou on est bête? Ah, bon, la discussion était sûrement trop papillonne pour qu'on s'en rende compte, hein, j'imagine. Allez, viens. Dégage d'ici. Ouais. Oh, liberté. Le vrai air. J'ai hâte de sortir. La ferme. Mais non. Pourquoi tu me laisses ici? Parce que tu pues et tu es le pire colloque de tôle que j'ai jamais eu de ma vie. Bon allez, viens, on va voir un peu ce qui se passe dans ce truc. Eh mais attends, mais je veux rentrer chez moi. Non, je veux pas rentrer chez moi, j'ai envie d'exécuter. Un petit embrasser. Déjà, on va commencer par les deux franchises de Salawa. Qui nous a dérangé, Maras. Tu sais comment il m'a emmené dans chaque présent. Il m'a pris, il m'a tabaché. Il m'a fait pleurer. Oh, mais c'est giga triste. Moi, il m'a pris pendant que je dormais, tu le sais en plus. Oui, c'est vraiment honte. Donc, il faut qu'on aille le faire péter dessus et lui montrer c'est quoi la vraie vie. Mais attendez, mais si le garde en chef vous a envoyé au figuier, c'est qu'il devait avoir une raison, non? Mais non, il y avait rien du tout. C'est pas possible, cette histoire. C'est quoi ça? Pourquoi je m'en enfermé? Pourquoi tu m'as fait ça? Tu crois que c'est moi qui ai voulu venir ici? Hein? Mais comment il a fait que c'est sorti sa cage, lui? Oh, tu te prends pour qui? Alors, toi, je vais t'apprendre la discipline, mon pote. D'où tu m'enfermes pendant ma super sieste de beauté pour avoir une belle manucure dans les yeux? Mais d'où vous sortez? Écoutez, je t'avais prévenu, je t'ai dit, ne rentre plus dans ce royaume. Tu dégages, tu m'as dit, tu dégages, t'as pas dégagé, dole. Et moi alors? Que je veux, moi? Ah, t'as tout tellement fort dans une oreille, tu m'as rendu sourd. Non, je suis sûr de l'oreille droite à cause de toi. J'entends que de l'oreille gauche. Tu vas me le payer. Ça, c'est mon pote. Ça, c'est mon instrument de torture. J'appelle la guillotine. Tu te prends pour qui, là, mon prophète? Que j'ai tué? Jean-Carba toujours, il est vivant, t'inquiète. Alors tout va bien se passer. Je te mérite que ça. Dans ton oreille sourde là. Oh, ça m'a manqué ma batte comme ça, frérot. Allez, viens. Sur le genou pour nettoyer. Viens par là, mon pote. Alors, dis-moi, c'est quoi ton nom? Parce que je t'ai dit le mien, tu vas pas dire le tien. Moi, c'est Mike. Mike, Mouse. Mike. Super, du coup, ouais. En tout cas, Roast Beef, c'est très viandu comme nom. Hein. Non, j'ai pas dit Roast Beef, j'ai dit Roast Beef. Roast Beef, Beef, Rose, d'accord? Ils étaient pas très inspirés, tes parents, ma foi. Pourquoi y a ton pied dans le champ de la caméra? C'est légendaire. Maintenant qu'on a récupéré notre liberté. La ferme, maintenant qu'on a récupéré notre liberté, on doit aller un peu observer le royaume et voir ce qui s'y passe. Ouais, bien vu ça. Salut mec! Hey, salut! Moi c'est Patrick. Je regarde les canards. Ceux-là ils bougent bien, tu vois. Mais celui-là, là, il bouge pas. Il est mort ou quoi? C'est une blague. Ah non, je l'ai tué en fait. Attends quoi?
Ah, bonjour, comment ça va, monsieur? Ouais, comment ça va, monsieur? Dites-moi comment ça va tout de suite. Ah, vous savez, la jeunesse me manque. J'ai perdu une jambe depuis longtemps et ma jambe me manque fort. Je crois que je vais pleurer parce que ma jambe me manque. Ah ouais, bah tu vas perdre ta deuxième jambe. Oh pur, on est en liberté de 2 secondes et on a déjà tué 2 personnes. Hardcore. Mais de toute façon, c'est tout ce qui m'a répondu à emprisonner. Il m'a dit que ça. Ouais, ouais, bien dit, bien dit. Un chameau. Je suis tellement oriental. C'était vraiment un après-midi formidable. Ah, tu l'as dit, frère. T'es vraiment la meilleure personne que j'ai jamais rencontrée. Viens, on est potes. On est ref. On est ref. Ah, super. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Là, je sais pas, on a quand même genre tué 3 personnes, accidentellement, mais pas vraiment. Ça fait comment? Ça fait beaucoup? Oh non. T'as pu prendre ta voiture. Oh, frère, dégage, cours. Vite, on va se cacher, frère. Oh, purée. Votre majesté, vous étiez passé où? Comment vous avez pu les laisser sortir? Ils étaient en tôle. On est désolé, on croyait que c'était bien fermé. Ouais, c'est ça. Oh, purée, c'est plus possible, ils sont beaucoup trop forts, beaucoup trop coriaces. Je vais devoir emmener l'artillerie lourde. Wow. Désolé. Daniel! Qu'est-il, votre majesté? J'ai besoin de toi. Il y a 2 personnes très tenaces qui sont en train de rôder dans le royaume. Et sans toi, on ne pourra jamais les arrêter. Ne vous inquiétez pas. Je gère. Un tigre et une souris, c'est bien ça? Oui. Vous inquiétez pas. Ah!